À 20, après le journal de 20 h. Je ne sais pas si on monte encore après. On monte encore les bribes, mais on ne monte plus après. Oh, on vous a montré jusqu'à vous étiez les stars. Il disait que la caméra s'était seulement braquée sur vous. Tout à l'heure là. Oui, aujourd'hui, si on arrive tôt, parce qu'aujourd'hui on n'a rien à faire. Bye. Merci. C'était maman? Oui, c'est maman, c'est ma tante, c'est ma mère. Vous êtes très soutenue par votre famille? Oui, oui, très, très énormément. Toute ma famille me soutient. Ils sont tous, m'appellent tout le temps, ils vont voter. Ça me remonte beaucoup, beaucoup. Ça m'aide. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent du fait que vous ayez choisi la musique comme métier? Au-delà des encouragements, qu'est-ce qu'ils pensent véritablement? Ils pensent que... Franchement, parce que moi, je n'ai pas choisi la musique comme métier. C'est mon père qui a choisi à ma place. Donc, maintenant, ils pensent que c'est un homme intelligent. Et vous êtes contente d'assumer le rôle que votre père vous a assigné? Oui. Parlez-nous un peu des relations qui existent entre vous et votre père. Entre moi et mon père. Mon père et moi, c'est vrai que nous vivons pas. Enfin, nous vivons pas côte à côte, j'ai plus de côté. Mais nous sommes très, très proches. Il m'encourage beaucoup. Alors, si vous aviez un mot à lui adresser ce matin, que lui diriez-vous? À mon papa? Oui. Je lui dirais merci. Merci pour tout. Et j'espère qu'il est assez fier de moi parce que je fais tout pour ça. Et que je l'aime beaucoup aussi.